Alors aujourd'hui, toujours en octobre, le ciel est encore très beau, légèrement voilé. Alors nous sommes à l'île aux oiseaux, et là je me suis arrêté là où j'ai pu en fait, où il n'y avait quasiment plus d'eau, donc mon bateau s'est stoppé. En fait, je vais partir en expédition à l'île aux oiseaux. Et je vais essayer de rejoindre les cabanes pour voir où ils en sont. Alors on s'approche des cabanes, je vois du monde. Je pense qu'ils doivent être encore en train de travailler. Bon, là, ils ont le tempo idéal puisque la marée, le coefficient est assez élevé. Donc l'eau est vraiment bien retirée. Ils ont quelques heures pour pouvoir bosser. Ça a bien avancé. Hein. Regardez tous ces piliers qui ont l'air d'avoir été protégés, mis en sécurité. Avec David, le patron d'Ibaya, et en fait c'est vraiment impressionnant de voir, ils ont quasiment tout fait à la main. Vous avez vu comment ils ont enfoncé la buse, comment ils ont enlevé le pilier qui était le pilier en bois. Voilà, c'était la proposition d'Ibaya, hein. C'est de mettre très peu d'engins mécaniques. Voilà, et je peux vous dire que les équipes, elles sont vraiment fatiguées, hein. Ça fait quand même quelques semaines qu'elles y sont. Elles devraient avoir terminé d'ici samedi, on espère. Voilà, elles sont fatiguées, belle abnégation et sacré travail physique. Voilà, moi je dis chapeau et tout ça, vous voyez, avec une préservation de l'environnement qui est assez exceptionnelle. On ne peut que les féliciter et féliciter aussi la mairie, hein, la mairie de la Thèse qui les a retenus, hein, parce que je pense qu'ils ont fait le bon choix. Hein. Voilà, donc là ils posent le bémol qui fait. Qui permettra de couler le béton comme je vous ai montré la semaine dernière. Voilà, et c'est les opérations de pompage qui redémarrent avant le coulage du béton. Bon messieurs, la pompe elle tient plus le coup là ou ça va encore? Oui, c'est bon? C'est celle depuis le départ celle-là? Oui.
Non, on a déjà... Ça, c'est... Non, tu es deux. Ah, c'est ça, hein, voilà, c'est ça. Tu es deux, c'est de l'occasion. Oui, d'accord. C'est celle qui tient le mieux. Mais c'est une spéciale... spéciale sable. Ah, d'accord. Bon, mais il est temps de rentrer maintenant. Les équipes vont bientôt arrêter un petit peu pour se restaurer, même s'ils sont obligés de travailler encore, puisque la marée est encore basse, donc il y a encore deux heures devant eux pour œuvrer sur le chantier, sachant qu'ils veulent le terminer d'ici samedi. Alors voilà, donc ils ont quand même préparé... Les tables sont quand même prêtes pour pouvoir manger, et je vais aller leur dire au revoir. Je ne sais pas si je les reverrai, mais en tout cas, j'ai leur vie chapeau. Bravo pour ce boulot! Franchement, vous faites un super travail. Maintenant, c'est à moi de rentrer à mon bateau. Voilà. Alors l'eau a dû monter un petit peu, mais ça devrait le faire. Donc je vais quitter ce magnifique endroit, le morceau de l'île de l'oiseau, où sont les cabanes chantées, pour retourner me tenter sur mon bateau. Voilà. Donc, ce sont les dernières images pour aujourd'hui de nos jolies cabanes.